Salut, c'est Gunta, bienvenue pour une partie de War Thunder, toujours en réaliste, et oui, et toujours avec la MX-30. Super, on essaye de se faire des sous pour acheter le Leclerc un petit peu plus tard. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, je fais le mode réaliste, mais pour une partie à peu près présentable. Je dois avouer que j'en ai au moins une quinzaine qui sont à mettre à la poubelle tellement je suis à chier. Alors donc c'est un mélange de chance, on va dire oui, de chance, surtout où je ne meurs pas. Il y a des parties où je ne meurs pas, mais où je ne fais rien, puisque je reste en gros planqué dans un coin et j'ose pas bouger. Et puis il y a des parties où j'avance peut-être un peu trop vite et où je me fais dessouder au bout de 20 secondes. Sans déconner, hein, 20 secondes, top chrono et je suis mort. Donc dans cette partie, bah, je suis pas mort, je termine 8e et je ne fais que 2 kills avec un assist. Bon, voilà, donc une partie vraiment quelconque, mais plutôt pas mauvaise. Pour moi qui fait franchement pas grand-chose. Et deux tireurs d'élite parce que j'ai détruit les deux chars à longue portée au jugé. Donc c'est au moins un côté positif. Je m'améliore dans l'estimation, on va dire, des tirs. Même si j'avoue que j'ai utilisé comment dire, le laser pour déterminer la distance. Mais je les ai quand même touchés au premier coup. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai détruit un type 74 et un M551 et j'ai endommagé un char lourd, je crois. Voilà, donc hop. Allez, c'est reparti. Mais finalement, je l'aime bien. J'avoue que enfin, le canon stabilisé, comme je le pensais, vu que c'est un char qu'on joue quand même plutôt en longue portée, ça sert pas à grand chose à mes yeux. C'est pas une grande plus-value. Hein, c'est pas un char de rencontre qui est fait pour encaisser. Donc vraiment, c'est pour faire du sniping. Hein. Donc bon, alors ça permet de stabiliser le canon quand on bouge et de voilà, de pas avoir les quelques secondes où il faut vraiment stabiliser le canon. Oui, j'utilise beaucoup le terme stabiliser. Mais quand même, moi je trouve pas que ce soit indispensable. Allez, on va essayer de trouver le replay. Voilà. Donc c'est une carte désert, une carte que j'aime bien parce que là je connais, enfin j'ai un coin que j'affectionne, que j'ai utilisé sans trop de succès avec mon. Si, je crois que c'est le seul truc où avec mon SS11 j'ai fait à peu près des trucs corrects. Bon, où je suis moi? Là, hop. Allez, c'est parti. Donc mon coin habituel, comme vous le savez, ça va être ici, où on a une vue effectivement sur les approches du point A. Donc en gros ça va être hyper statique, hein. Moi je pense quand même que ce char c'est comme le Léopard 1, c'était pas des chars qui allaient faire une charge de cavalerie en rase campagne, ils n'avaient pas de blindage, ils étaient faits vraiment pour engager les cibles à distance avec un canon qui était précis et avec une haute probabilité de destruction au premier tir. Point à la ligne. Voilà, c'est pour ça, il a été conçu pour ça. Les mecs qui se baladent en roulant en rase campagne, je l'ai fait, hein, donc je peux vous en parler savamment, c'est généralement un obus au bout de 20 secondes et renvoyé à vos études. Voilà, donc là maintenant j'ai appris une chose, c'est qu'il faut aussi surveiller sur le côté parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre par là et vous flinguer. Et il y a aussi un passage ici, là. Là, vous voyez, ça c'est le sommet de la colline. Là, c'est le bas de la colline qui nous intéresse. Et là, vous avez des possibilités qu'il y ait des mecs qui apparaissent dans cette zone-là. Donc, il faut en même temps, je dirais, surveiller la zone ici et surveiller les flancs. Voilà. Alors, là, je n'ai pas vu, donc je regarde un petit peu. Vous voyez, l'autre, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose derrière. Donc 1,6 km, donc là je suis en train de mesurer.
Et là, hop là! Allumez le feu! Allez, Johnny, on pense à toi. Et hop là, équipage hors de combat, deuxième tir. Donc là, bah, je suis plutôt satisfait. Hein, 1600 mètres, deux coups. Le premier qui le fout en feu et qui l'immobilise. Le deuxième coup qui l'achève. Ah, c'est plutôt pas mauvais. Donc là, je donne un petit coup de jumelle pour voir s'il y a personne qui risque de me faire chier en me tirant un obus dans les miches. Donc a priori, ça a l'air calme. Là, on vient de perdre un mec, mais sur C, ça continue. Là, il y en a un qui est sur la colline, donc a priori, je vais pas être emmerdé ici. Donc, pour l'instant, cette zone-là, je ne risque pas d'avoir des tirs impromptus sur un flanc. Là, visiblement, ça continue pour la suprématie sur C. Mais je vais être tout à fait franc, je peux pas m'occuper de deux trucs à la fois, donc je reviens à mes études. Ah, alors là, vous voyez, on voit ici, parce que c'est le replay. Mais moi, pour l'instant, je vois rien, donc... Là, je viens de repérer quelque chose. Alors là, admirez. Admirez parce que je vais faire un tir. Et là, tir, il est sans viser. Enfin, estimation. Voilà. Quand même, je dois avouer que rien que pour ça, ça valait le coup. Parce que... Pas le premier, bon, je fais une estimation avec le laser, mais 1600 mètres, en deux coups, je détruis le char, et là, un char en mouvement sans utilisation du laser, et en deux coups aussi. Donc plutôt content. Et voilà, là je vais avoir mon assist, normalement il y a un mec qui va arriver par là, là il y en a un qui doit être planqué dans le coin, je l'ai entrevu, donc j'essaye de tirer quelques coups pour le faire bouger en lui faisant croire que... qu'on l'a détecté. Et vous voyez, il réapparaît là-haut en fait. Donc là, je le loupe. Mais, en tout cas, je pense que je sauve la mise au mec, là. Et là, je le touche à nouveau. Je pète son canon. Enfin, je l'endommage suffisamment, en tout cas, pour le faire reculer. Et je maintiens un petit peu la pression en faisant un dernier tir. Complètement au flanc, là, je dois avouer. Bon, on va voir pour l'assist. Il va se faire finalement, l'autre va réparer. Il va contre-attaquer, il va détruire le Tariq là. Ah, Vult, c'est le vœu. Deus Vult, Dieu le veut. Donc là, c'est Vincentlus Vult. Vincentlus le veut. Et il l'a eu. Et moi, j'ai mon assist. Voilà. Bon, on peut se mettre en accéléré parce que là, en gros, à part regarder un petit peu ce qui se passe de droite à gauche, voilà. Là, je vois même pas qu'il y a un médium, donc j'essaye du coup, comme je vois qu'ici, ils capent carrément, là, il y en a un ici, donc bah, je décide de m'avancer. Mais là, ça a pas beaucoup d'intérêt, sinon de voir la MX-30. Voilà, allez, on en profite. On se le met en deux fois. Ah, il est quand même chouette, hein. Bon, là, on a vraiment l'impression qu'il va vite, hein.
Et c'est vrai que sable sur sable, on le voit pas trop, donc ça aide bien quand même. Surtout à longue distance, j'imagine que ça doit quand même perturber l'adversaire. Donc là, en fait, je vais aller ici et je vais essayer de remonter par là, mais ça sera terminé. Allez, je le laisse pour le fun. Je croyais qu'il y avait quelqu'un, en fait, c'était une carcasse et j'ai ce qu'on appelle du tir instinctif. Donc là, il y a une pièce d'artillerie. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici. Voilà. Donc, une partie moyenne, hein, je ne termine que 8e et en plus sur 10, donc bah, on peut pas franchement dire que ce soit dans la bonne moitié, mais compte tenu du fait que dans ce mode de jeu, je débute et que j'avoue que clairement je ne fais pas des étincelles, hein, je vous dis pour avoir une partie à peu près potable, c'est-à-dire où je ne meurs pas dans les 15 premières secondes et où j'arrive à faire plus qu'autre chose qu'un assist. Enfin, faut vraiment que j'en fasse, au bas mot, une bonne grosse dizaine, hein, avant d'arriver à faire quelque chose. Alors, dans la dizaine, on va dire qu'il y a ceux, 50, pratiquement 75%, les trucs où je meurs dans les 30 premières secondes, et ça c'est du véridique. Et puis les 25 autres pourcents, on va dire 30%, on va dire 33%, allez 66-33, c'est des parties où je suis tellement en retenue, tellement planqué parce que j'ose pas bouger, c'est par exemple des trucs où il y a des arbres de tous les côtés, putain, ça j'ai horreur de ça. Ou alors des grandes étendues. Des grandes plaines, et là, bon, bah, je reste dans un coin, derrière un caillou, et je bouge pas. Et mon rôle, et si j'arrive à faire un truc, c'est un assist, parce que j'ai tiré dans la fesse d'un mec qui passait à proximité, ou un kill, si j'ai de la chance, mais vraiment, pas plus que ça. Donc c'est vraiment une autre matière de jouer, mais en tout cas, moi, ça me permet de me refaire un peu de pognon, et c'est tout ce qui compte. Et puis, accessoirement, ça me permet d'améliorer mon équipage, tiens, ben voilà. Hop, hop, mon char, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore bonnes. On va en profiter. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors, le char, il est pas mauvais, hein, il est pas mauvais. L'obus flèche est excellent. Sur la stabilisation, comme je le disais, compte tenu que pour moi son rôle c'est vraiment pas un char dont le rôle c'est d'aller combattre en ville en roulant, hein, c'est vraiment il avait été conçu pour tirer sur des cibles à grande distance, c'est-à-dire 1,5 km entre 1,5 et 2,5 km dans des grandes plaines sur des assauts et ensuite aller en arrière et changer de position. Donc pour moi, la stabilisation, ce n'est pas franchement quelque chose de nécessaire. Puisque dans le cahier des charges, on va dire que son rôle, il n'était pas voué à ça. Bon, j'avoue que c'est quand même un petit plus. Quand on avance, le canon reste stable, surtout si on est voilà, en embuscade, donc on se planque, on remonte, le canon ne bouge pas. Donc il y a quand même ce gain de quelques secondes qui vous permet un petit peu de prendre votre cible, tirer plus rapidement. Dans le cas du réaliste, ça sert pas à grand chose parce que si vous êtes plutôt intelligent et que vous prenez une bonne position, que le mec vous voit pas, vous avez le temps de le décimer, vous avez vu, vous aurez le canon, vous pourriez le stabiliser en 2-3 secondes de plus. Ça comptait pas beaucoup, puisque les mecs, souvent, ils étaient en arrêt, en rechargement, derrière la colline. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'insurmontable ou de vraiment indispensable. Voilà, mais sinon, bah, ça permet de faire du fric, donc je suis plutôt content. Moi, très sincèrement, j'aimerais bien voir la MX32, j'aimerais bien avoir des ERC, enfin, bon, tous les trucs habituels. Enfin, j'aimerais avoir tous les chars à roues français qui seraient disponibles. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao messieurs, dames!